les saluer nous et remercier nous de présence nos matins dans le cadre de cette conférence. Nous sommes les associations de magistrats, nationale des magistrats haïtiens, association professionnelle des magistrats et le réseau national des magistrats haïtiens. Mais ça ne veut pas dire que l'autre association qu'on parle là, comme AJUFA, COMAD, et association des femmes juges, etc., etc., c'est pas parce qu'ils ne sont pas solidaires. C'est parce que nous-mêmes, nous plus qu'à proximité de Port-au-Prince, il y a un pile dans notre association yo, qui, eux-mêmes, et directoire, ils ne pas dans la zone métropolitaine. Nous sommes tous au courant que et dimanche 7 février, et la police a procédé à arrestation pour ensemble de monde. Parmi eux, il y a un magistrat et un juge à la cour de cassation, juge Yvickel Dabrizil. Juge Yvickel Dabrizil, et tout le monde connaît que différentes explications que tant les autorités policières, les autorités de l'exécutif bail de arrestation magistrat Yvickel Dabrizil, nos mêmes magistrats, nos mêmes juges, nous accrochons à la loi et n'attendent exactement sa instance qui concerne, c'est-à-dire la justice, a dissous dossier. Nous ne connaissons pas si quelqu'un qui a tort, nous ne connaissons pas si quelqu'un qui a raison, mais ce que nous connaissons, c'est que des procédures qui tracées pour procéder à l'arrestation du magistrat. Personne, pas au-dessus de la loi, pas un homme qui commettra une infraction dans un pays côté qui a un état de droit pour nous ça ou yo garder sans que yo pas appliquer la loi contre lui-même. Cependant, les garanties judiciaires nous doivent respecter, les procédures nous doivent mettre en application, et c'est pourquoi, comme un seul homme, la magistrature dans son ensemble est campée pour dire forme arrestation magistrat Yvickel Dabrizil là qui pas bon. Et c'est pourquoi nous avons mobilisé la magistrature, toutes les associations confondues, comme une seule, comme je l'ai dit tantôt, la magistrature, et nous avons obtenu la libération du magistrat. Nous avons obtenu la libération du magistrat, maintenant il revient à la justice pour porter éclaircissement, pour porter précision, pour le décider. Laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Tout le monde connaît, depuis qu'il y a arrestation, il faut qu'il y ait une décision de justice. Et comme il y a le juge qui saisit, si le juge est compétent, il a bien pour le prononcer. Si le juge n'est pas compétent, il a bien pour le prononcer. Mais ce que nous savons que l'article 177 de la Constitution de la République d'Haïti, il parlait de magistrat de cour de cassation, magistrat cour d'appel, magistrat des tribunaux de première instance, il dit que il est nommé de manière inamovible. Et l'article 54 de la loi portant statut des magistrats bail d'autres précisions. L'article 186 de la Constitution donne des précisions. Je me garde de citer et ces articles liés pour nous parce qu'on n'a pas le temps, mais nous disons que l'arrestation magistrat Yvickel Dabrizil là était faite en marge de la loi. Deuxième point moi-même que moi j'aime pour souligner pour nous, avant que moi passe le témoin à mes collègues magistrats qui autour de cette table, c'est que je dis à gagner un malaise entre la justice et la police. Certains policiers pensaient que parce que ils ont arrêté un magistrat, ils sont capables de traiter un magistrat n'importe Jean Yovelet. Nous connaissons bien la loi, la Constitution de la République d'Haïti dit que quel que soit
le policier, quel que soit grade, qu'il soit le directeur général de la police nationale d'Haïti, les auxiliaires de la justice. Lorsque vous êtes auxiliaire de la justice, il faut comporter en auxiliaire de la justice. Les associations réunies ce matin, la magistrature dénonce le fait que, et mardi soir, mercredi soir, magistrat Emmanuela Joissin, gagne une équipe policière qui passe par un lit, le tribunal lit, pour qu'il y ait une opération. Donc on est, mais le magistrat de paix, c'est lui-même qui va rentrer dans les lieux, c'est lui-même qui pour permettre que gagne un ensemble d'exécutions qui fait. Donc, je passe pour magistrat pour une opération. Écoutez, nous devons contribuer en tant que justice, en tant que magistrat, pour nous permettre que la cité en paix. Nous pas qu'à là, n'a pas touché l'argent d'État, et puis pour nous pas contribuer pour que la paix dans la cité. Magistrat a monté à bord du véhicule de policiers. Arrivé sur les lieux, policiers ont dit au magistrat que c'est en dans un caille, il a demandé pour que les balles pour le bail entre les lieux. Magistrat a dit, écoutez, la loi dit, faut au moins et ordonnance là. Faut au moins ordre de perquisition guerre, faut au ben moins décision de justice qui bat aux autorités pour entrer dans Kaïsa. Puisque le magistrat pas d'accord, violer la loi à policier, c'est une femme, il est invectivé, il est juré, il dit de bagailles que moi-même là, moi pas capable de répéter, c'est ça, il dit magistrat, et de sur quoi, messieurs, vous êtes, messieurs, dames, en plus, nous, là, vous êtes galants, vous comprendrez. Pour des policiers, hommes, dans, à 8 heures du soir, laguer un magistrat femme dans la rue, après au fil de menaces, zam, il y a éliminer, etc. Il y a laguer pour coller. Or, c'est lui qui se prend la caille. Nous dénoncer, nous pas d'accord. Ce n'est pas que nous-mêmes, les associations, nous allons rentrer en conflit. Ce n'est pas que la magistrature va rentrer en conflit avec la police. Jamais, jamais une autorité n'a pas entré en conflit avec un subalterne. Parce que quel que soit le niveau du policier, c'est un auxiliaire lié à travail avec le juge, à travail avec la justice. Autre chose que je dois souligner pour vous, nous autres magistrats, je lance un appel que tous les magistrats se comportent en magistrats. Gain de devoir de réserve que nous gagnons, nous avons des devoirs de réserve. Un magistrat n'est pas un leader politique. Un magistrat n'est pas un militant politique. Je l'ai dit et je l'assume. Au magistrat, pas au leader politique. Et au magistrat, pas au militant politique. Parce que si on est militant politique, on est parti. Or, le magistrat ne peut pas avoir parti. Il n'est pas qu'un juge et parti en même temps. Et c'est pourquoi j'appelle tous mes collègues magistrats, quel que soit rang où tu es gagné, quel que soit grade où tu es gagné, dans la justice, ne vous laissez pas approcher par des gens comme si vous avez fait des offres pour des questions politiques. Vous n'êtes pas politicien, vous êtes magistrat. Et c'est pourquoi je vous dis aujourd'hui que nous autres les associations, nous demandons à ce que tous les magistrats se comportent comme tels, comme des magistrats. C'est pas que moi-même, on dit qu'il y a des magistrats qui sont politiciens. Je ne le dis pas. Pour que, par les gens qui ont déformé pensée, a déformé parole, moi, dit que tout magistrat doit comporter comme des magistrats et que ces magistrats ne doivent pas se laisser influencer ni approcher par des politiciens. Et je passe le témoin à mon collègue Martin Jean-Claude. Non, pas
Bonjour, non, moi c'est Marcel Jacob, moi c'est président de l'association. Mon téléphone est sur le tableau. Ça fait longtemps. Ok. Tu as commencé? Allez. C'est la dernière. Alors, tout bon? Bonjour. Non, moi c'est Martel Jean-Claude. Moi c'est président de l'association professionnelle des magistrats. Dans foulée événements qui succédaient depuis le 7 février jusqu'à nos jours, gagnent ensemble de mesures de représailles que l'exécutif la prend contre les magistrats et notamment contre le pouvoir judiciaire dans son ensemble. Nous connaissons que gagnent arrêté, côté que le président l'y décidait, l'y mettait à la retraite, trois juges de la Cour de cassation, qui c'est d'abord le juge Ezekiel Dijuste d'Abrésil, la juge Wendel Koch-Tello et le juge Mécène Jean-Louis. Maintenant, au niveau de la magistrature, au niveau de l'association des magistrats, APM, ANAMA et RENAMA, nous dénonçons caractère arbitraire, caractère illégal, arrêter ça, qui mettait trois juges à la retraite. N'a pas rappelé nous que Haïti fait partie d'un ensemble de conventions internationales, un ensemble de traités, côté que l'État haïtien prend engagement pour lui prendre toute disposition pour la justice indépendante. Maintenant, c'est ainsi que dans la Constitution et dans la loi, il y a un ensemble de dispositions qui prend et objectif et finalité, c'est que pour la justice indépendante. Lorsqu'il y a un justiciable, il y a pour répondre aux questions juge, il y a quoi que juge ça, il avait instruit dossier sans aucune interférence, sans aucune influence de quelconque autorité. C'est ça qui fait que le principe qui garantit l'indépendance, notamment la question d'inamovibilité des juges pendant le mandat. La Constitution établit dans l'article 177 que juge cour de cassation a un mandat de 10 ans, juge cour d'appel a un mandat de 10 ans, et juge tribunal de première instance a un mandat de 7 ans. Pendant le mandat, ça, ben, il est inamovible. Il n'est pas capable de transférer sans consentement. Il n'y a pas qu'à même promotion, il n'y a pas qu'à si il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas capable d'objet de révocation, sauf pour des forfaitures. Faut que si un tribunal qui condamne définitivement, sauf si il y a frappé d'incapacité physique ou d'incapacité morale permanente et dûment constatée. En l'espèce, ces trois juges, il n'y a pas une situation de une condamnation pour forfaiture ou une condamnation définitive. Et il n'y a pas frappé d'incapacité permanente, parce que par exemple, aucune institution qui attestait que magistrat Sayo est incapable physiquement ou bien incapable moralement. Maintenant, c'est une mesure de représailles et les constituer une entrave même à l'indépendance du pouvoir judiciaire, à l'indépendance de la justice, côté que un président capable de décider de mettre des juges à la retraite. Et dans même foulée événements Sayo, nous considérons comme une sorte de mesure de représailles. Et nous apprenons que de l'autre juge hein, qui recevra nomination par le président de la République pour siéger au niveau de la Cour de cassation. Là encore, c'est un acte qui est illégal parce que la loi tracée procédure pour président nommé des juges à la Cour de cassation. Il est l'autorité de nomination de tous les juges. Maintenant, la loi tracée procédure là. Maintenant, pour les juges de la Cour de cassation, c'est le Sénat qui lui-même lance un appel à candidature s'il estime qu'il y a un poste qui est vacant. Maintenant, il a invité candidat à venir déposer le dossier. Et après, procédure au Sénat, il transmet trois noms de monde qui a retenu épreuve là. Il achemine liste là-bas au président en raison de trois juges par poste. Lorsque le président reçoit cette liste du Sénat, la transmettre li bay le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui pral bay yon avis conforme sous non sa yo. Et c'est après avis conforme CSPJ que le président li pral choisi une personne par liste pour nommer à la Cour de cassation. Maintenant, en l'espèce, nous pas non respect la loi, nous pas non respect la Constitution, parce que
pas aucune information que le Sénat a lancé un appel à candidature, pas aucune information que le Sénat lui transmet une liste par le président, pas aucune information que le CSPJ lui-même lui a avis sous deux mondes qui nous met. Là encore, nous sommes dans l'illégalité totale, nous sommes dans l'arbitraire, et ça a caractérisé une interférence brutale de l'exécutif là, dans le pouvoir judiciaire là, et ça a fait citoyen yo pas de confiance les arriver devant la justice. Puisque l'indépendance là, c'est pas pour juger la chèlbe, c'est pas pour le penser l'igonet, c'est pour lui en mesure pour lui rendre la justice sans aucune interférence. Maintenant, nous-mêmes magistrats, nous sommes des légalistes. Maintenant, nous avons exhorté tout magistrat pour ne pas laisser yo entraîner dans l'illégalité. Maintenant, nous avons rappelé ça encore. Yo juge, quel que soit le niveau de compétence, quel que soit le niveau de crédibilité, ou accepter pour de nommer dans de pareilles circonstances, ou trahir la justice, ou trahir l'état de droit, ou trahir le pouvoir judiciaire. Et magistrat, il faut nous connaître que c'est nous-mêmes qui la même pour nous sanctionner. Pour nous sanctionner lorsque nous regardons à la loi. Nous-mêmes, nous devons être de côté de la loi. Il n'y a pas jamais trop tard pour nous corriger. Nous avons exhorté le président et le gouvernement pour lui revisiter Kaye. Arrêtez qui mettait trois juges à la retraite, arrêtez ça, l'arbitraire, arrêtez ça, il n'est pas conforme à sa loi dit. Arrêtez qui nommait trois juges à l'arbitraire, l'illégal. Maintenant, il n'est pas jamais trop tard pour nous retourner sur le droit chemin. Parce que Haïti fait partie du concert des nations. En pile, le monde a gardé nous. Maintenant, il faut que nous ne nous comportions pas comme un État paria, puisque l'État de droit, les gains pour base, la justice. Et la justice, pour lui fonctionner, il y a un ensemble de garanties que les gains et garanties ça. C'est nous-mêmes citoyens qui demandons, qui fait qu'en 87, nous mettons plus de garanties là-dedans. C'est nous-mêmes haïtiens, lorsque nous faisons partie d'une convention, nous acceptons pour nous prendre disposition pour la justice ben, fonctionner suivant des principes que toute nation civilisée dans le monde l'a adopté. Maintenant, c'est ça que je viens pour me dire en gros. Et ma passion. Magistrat Edumé Higginson, président du réseau national des magistrats haïtiens et NAM. Événement 7 février, lui mettait nous en situation pour nous constater que l'ordre public de la justice en Haïti est menacé. Par le fait que tout le monde est au courant que nous en présence d'un cas que nous relève un cas d'abrisé. Puisque la Constitution dit que nous n'avons pas procéder à arrestation personne citoyen avant et après 6 heures du soir. Sauf si tu as gagné un ordre express d'une autorité compétente qui t'a ordonné ça. Et dans le cas du magistrat de la prison, la police, comme subalterne de la justice, pas munie d'aucun ordre d'une autorité compétente, puisque c'est après qu'il fin fait intervention dans l'espace côté magistrat avec l'autre personnalité, c'est le ça qui fait appel à un juge de paix qui pouvait ordonner la rentrée des lieux. Et il n'y a pas de gain, aucun autre aussi d'un juge d'instruction qui est capable d'ordonner perquisition de quoi que ce soit. Nous pensons, je dis là, c'est le moment qui est important pour la magistrature haïtienne pour être capable d'exhorter CSPJ. Pour commencer à jouer rôle li. Puisque si CSPJ pas joué rôle li, nous pas capable de river gagner une indépendance réelle et effective
de la justice. Nous besoin d'une indépendance fonctionnelle, mais en même temps, nous besoin d'une indépendance juridictionnelle. Et CSPJ, Jodia, comme institution régalienne de l'État, les gagnants pour faire preuve de neutralité en tout. Puisque la loi a une mission, les gagnants pour rester dans la limite mission. Mais c'est idem aussi pour le pouvoir exécutif, pour le pouvoir législatif. Nous-mêmes, nous sommes des légalistes. Le nous lit dans la Constitution et dans les lois de la République, nous, la Constitution d'abord, les garantit l'indépendance des pouvoirs. Chaque pouvoir a une mission, il y a un rôle. Il n'y a pas de faire interférence dans l'activité qui a passé dans une autre. Mais je dis, nous constatons, il y a l'existence d'un seul pouvoir. Mais je dis, nous, dans un état de droit, le pouvoir qui est véritable, c'est la justice. Parce que quel que soit mounoui, ou gagne ou quoi dans la justice, puisque c'est seul lui-même qui est capable de garantir le droit, l'autorité qui a voulu passer en papier. Nous-mêmes, dans l'association ANAMA, RENAMA, APM, nous avons toujours dit, nous ne pouvons pas défendre les gens, nous ne pouvons pas défendre la magistrature. Puisque les associations de magistrats sont des associations apolitiques. Nous, nous pas dans la politique. Je dis, si vous avez possédé à arrestation une autorité politique, moi-même, je vais dénoncer. Puisque je ne vais pas prendre position pour ou contre. Et c'est ça que fait la justice. Vous représentez sous forme d'une femme aux yeux bandits. Et ça fait nous demander pour juger comporter un homme d'État, en femme d'État. Pour ne pas pratiquer politique active, puisque c'est interdit par la loi. Mais ça ne va pas empêcher que Julien ait une opinion politique personnelle dans la CAILI. Et à chaque fois, nous, politique, fait immixion dans le système, nous, qui s'alvaille. Et c'est ça que fait nous demander secours avec communauté internationale. Pour yo rappeler autorité politique que jodi a non nous sommes en 2021. Pas de place pour la loi pas appliquée encore. Dans tout pays jodi a il y a prêché un seul cantique, état de droit. État de droit c'est la dictature de la loi que tout le monde joue rôle yo. Que tout le monde respecte la loi. Nous avons dit aussi, le magistrat de Brésil n'est pas le seul monde qui a fait objet d'arrestation. Nous n'avons pas rentré dans le fond de l'affaire, mais nous avons demandé pour que le juge agisse avec célérité pour garder la situation de l'autre monde qui a été arrêté. Parce que nous-mêmes, nous sommes des légalistes, nous n'avons pas là pour faire abus à quiconque. Le juge l'a gagné pour faire travailler sans influence, sans force côté. Et nous-mêmes, nous avons toujours gagné un comportement comme association qui est là pour défendre l'intérêt magistrat, pour défendre l'indépendance et autonomie de la magistrature. Et à chaque fois, la magistrature est menacée, est en danger, nous avons toujours joué une association de magistrats. Et bien qui finit comme élément de rempart. Puisque la loi claire, constitution claire, le pouvoir judiciaire est exercé par les magistrats à travers les cours et les tribunaux de la République. Donc nous-mêmes, nous t'éclairons par rapport à l'article 186 de la Constitution. Puisque la loi dit, magistrat d'Abrésil, li passible par devant la route de justice. Et si je dis à ma boutique encore, je t'ai procédé à l'arrestation du président Jovenel Moïse en marge de la loi, moi-même, je m'a dénoncé, je m'a dit non, parce que dans le cadre de fonction, la loi fait de lui un monde qui bénéficie.
privilège de juridiction. Et ça fait nous-mêmes, nous disons, nous pas la politique. Nous avons défendu une position légale. Donc maintenant, nous avons toujours qu'une même position à chaque fois. Il y a un abus d'autorité, nous avons toujours dénoncé. Sans que nous ne rentrer dans l'élément politique. Puisque ce n'est pas pour nous, nous-mêmes, nous faisons choix de pouvoir judiciaire, nous ne faisons choix de pouvoir exécutif, ni pouvoir législatif. Et nous pensons aussi, CSPJ, c'est le moment pour nous attirer l'attention sur CSPJ, sur ensemble de revendications magistrats ou gagné. Parce que nous, d'accord, et ça révolte nous. Et c'est normal pour que l'autre deux pouvoirs traitent les juges comme ça. Parce que dans le budget république, là, nous acceptons, la population accepte, la société civile accepte. Pour yo reparti budget comme ça. La justice 0,1%. Mais c'est normal. Pour yo penser, yo gagne tout pouvoir ça sous nous parce que nous avons gardé on mon directeur général par rapport à moyen qui yo met à disposition. On a gardé un magistrat. Eh bien où est-ce le jour et la nuit. Et ça fait nous mandé CSPJ pour lui saisir opportunité ça. Pour que magistrat soit désormais capable d'avoir un traitement égal par rapport avec les deux autres pouvoirs. Parce que ce n'est pas normal pour des magistrats à traiter en parents pauvres pendant ce temps que leurs deux pouvoirs ont saisi au collègue du budget public, il y a gagoté, et puis le pouvoir judiciaire n'a pas de moyens en même pour être capable de garantir les droits des gens qui sont pauvres. Nous-mêmes, la presse, nous avons une mission ça pour nous faire un message de passer, puisque monsieur dame exécutif, eh bien, il prend le pouvoir judiciaire là, il est corrompu. Et ça fait loi pour même dans l'ordre, il a parlé du pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Pas de aucun côté, il a classé le pouvoir judiciaire comme troisième pouvoir. Donc nous dénonçons ça et nous demandons le CSPJ pour prendre responsabilité par rapport à un meilleur traitement matériel. Et si nous regardons dans quel état tribunal il y a, c'est des taudis. Nous connaissons très bien un aspect symbolisme dans la justice. Lorsque nous commissariat, garde bureau, on directeur de police. Garde bureau, on commissaire de police. Et en garde bureau, on doyen. En garde bureau, on juge. C'est normal. Et c'est le moment pour nous dénoncer ça. Il faut nous dénoncer, puisque nous avons brisé l'aspect symbolisme de la justice. Ou après, même tribunal, il n'y a pas reconstruit. Le palais de justice de Port-au-Prince, 12 ans après, il n'y a pas pris aucune initiative pour reconstruire le palais de justice de Port-au-Prince. Le sébat de la justice. Mais c'est normal pour que l'on policier, l'on citoyen, vienne dans le tribunal là pour ne pas garder les magistrats pour rien. C'est normal pour nous de Paris. Parce que dans l'espace que rentre, espace là, il va symboliser l'autorité. Espace là doit symboliser l'autorité du magistrat. Et CSPJ a un rôle, ça, une mission ça, pour exiger à ce que l'exécutif mette des moyens à la disposition pour reconstruire le bâtiment. Mais pour juger des moyens matériels pour le croiser un juge dans la rue, pour lui sembler avec en autorité. Et c'est ça que fait. J'aime ce concept. En France, il n'y a pas parlé de pouvoir judiciaire, il y a plus parlé d'autorité judiciaire. Donc, nous-mêmes, nous dénonçons ça. Et nous avons souhaité pour que tout magistrat agisse avec sérénité, agisse avec la loi, et pour ne pas y mixer dans ça qui va concerner. Et nous profiter aussi, remercier tout collègue magistrat qui était campé debout pour indépendance magistrature, pour prestige magistrature. N'a profité de remercier la presse pour support nous. N'a profité de remercier toute organisation droits humains, tout membre de société civile là qui était ouais dans nécessité pour accompagner nous. Merci. Dans un système inférieur, il voulait passer dans un rang supérieur. Tout le monde aspirait à promotion. C'est trois magistrats
pour jouer une promotion. Nous n'avons aucun problème avec le magistrat Sayo que vous souhaitez la promotion. Cependant, nous souhaitons que le magistrat joue une promotion dans le respect de la loi et le respect de la procédure. Magistrat Martel sont expliqués. Pour le magistrat nommé à la Cour de cassation, il doit d'abord répondre à un appel à candidature lancé par le Sénat de la République. En dans le Sénat de la République, il y a une commission, il y aurait les commissions justice et sécurité publique au niveau du Sénat de la République, qui étudie le dossier magistral qui répond à appel à candidature. Après quoi, le CSPJ doit avoir avis pour nous parce que magistrat Sayo le doit certifier. Le CSPJ doit avoir avis favorable pour nous. Et après quoi, il a mis sur une liste et que le président a bien pour le choisir parmi Moun Sayo qui sur liste là. Un magistrat sur trois a mis dans liste là. Donc, s'il y a un poste à pouvoir, il y a voué trois noms. Le Sénat a voué trois noms et le président a choisi Yun Nader. Ainsi de suite. Donc, nous tentons, nous avons arrêté, qui nommait de nouveaux juges, mais qui n'ont pas passé la procédure, ça, qui est tracée par la loi. Donc, nous demandons à ce que vous respectez la loi, jugez-vous. Ils ont mérité promotion. Si ils ont poste à pouvoir au niveau de la Cour de cassation, oui, il faut que le juge qui mérite jouer une promotion, hein? Mais nous ne pas aimer tout. Ils ont utilisé le juge pour que même bagaille Steven Benoît, qu'on fait dernièrement, un petit juge mal nommé, pour que le juge Sayo, qui fait carrière, qui perd du temps, qui respecte les têtes, yo, yo vin trouvé yo dans la même condition. Magistrat Moré, qui est magistrat, qui est avocat, qui a même dit que par rapport à la vie de l'institution, il y a un parlement qui est quasi dysfonctionnel, sa constitution va être président prérogative pour nommer de nouveaux juges. Ça n'a pas qu'un BD même. Bon, votre avocat a où exactement référence, non? Comme ou même ou pas j'ai référence là, je ne vraiment pas répondre à ça avocat. Ok, magistrat, juge d'Abrésil qui est arrêté à un groupe de monde, c'est vrai, magistrat, il n'est pas passé devant aucun tribunal de droit commun, comme juge à la Cour de cassation. Quand est-ce que le reste monde était arrêté à ce matin? Est-ce que effectivement tout le monde est libéré? Ou bien est-ce que le cabinet d'instruction doit continuer à enquête sur le reste? Par un juge qui doit commenter décision, il y a l'autre juge. Seulement, moi, je connais gagner des garanties judiciaires. Dans les garanties judiciaires, nous devons gagner pour y aller devant le juge naturel. Et il y a droit à un procès équitable. Étant donné qu'il y a un juge désigné par la doyenne, n'a pas le juge là tout crédit pour le faire travailler au regard de la loi. Et nous autres, des associations, il ne nous revient pas d'influencer le travail du magistrat. Rappelez-nous, comment procédez-vous là pour ce nouveau juge ça en fonction après nomination, rappelez-nous ça chute là. Écoutez, toute procédure, ce n'est pas moi qui trace. Oui, selon la loi. La loi qui trace, la constitution qui trace. Le juge, il faut dire, plusieurs étapes. Il y a le Sénat de la République. Non, vous me posez une question. Vous me posez une question. Vous attendez que je vous donne la réponse. D'accord? Si vous avez une réponse déjà, vous m'attendez. D'accord. Vous m'attendez maintenant. Je réponds à votre question. Maintenant, moi, je dis plusieurs étapes. Lorsqu'on est dans l'étape Sénat ou à la CSPJA, il y a la présidence. Après quoi? Il faut qu'il y ait prêté serment devant la Cour de cassation. Il faut que je joue une compétence dans la Cour de cassation. Et c'est pourquoi nous autres associations, nous prenons acte que le nommer illégalement d'autres juges et n'a pas
qui nous pourrait prendre à tout qui juge dans la Cour de cassation qui pourrait le bailler aux compétences. Pour le précédent, magistrat, qui position en là-bas sous juge Messel d'avoir une vidéo dans les réseaux sociaux. Les associations de magistrats ne font pas de politique. Ne font pas. Ça veut dire, ne font pas. Ça veut dire, ça veut dire, demande à un journal là, juste avant qu'à l'intérieur de l'association. Merci beaucoup.